Beauty Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pardon. Je vais vous présenter en fait comment faire ces introductions sur YouTube, bien sûr. Comment faire ces montages. Alors tout ça à partir d'un iPod, iPhone ou iPad. Alors déjà, pour faire les montages, j'utilise CutCut Pro, cette application-là, et Intro Designer. Alors, c'est des applications payantes, pardon. Mais regardez ma précédente vidéo. Je vous ai montré comment avoir des applications payantes gratuitement grâce à cette application. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai expliqué comment ça marche. Alors, Intro Designer, c'est pour faire les intros. Alors, une fois que vous avez fait votre intro, après, vous la gardez un petit moment, vous ne changez plus, du coup, vous n'utilisez plus trop cette application. Alors, on va faire une nouvelle intro. Par exemple, moi j'aime bien utiliser les intros qui sont ici. Par exemple, on va faire. Bon, on va prendre la même que la mienne, on va prendre Facebook par exemple. On va télécharger le modèle, poursuivre. Bon, on met pause parce que on s'en fout. Le modèle se télécharge. Une fois que ça aura fini de se télécharger, vous pourrez remplacer les écritures qui sont mises par les vôtres. Par exemple, regardez, choisir le modèle. Voilà. Voilà, vous pouvez changer par exemple, on va mettre, je sais pas, n'importe quoi. YouTube. Voilà, vous pouvez. Ah, j'arrive plus à écrire quoi. YouTube. Voilà, vous pouvez choisir sa position, plus à droite, plus à gauche, plus en bas, plus en haut. Choisir la couleur. Par exemple, on veut mettre rouge. Voilà, après vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez changer la police d'écriture. Voilà, comme ça. Après, ça vous, si vous trouvez ça bien, après, vous changez. Vous mettez, par exemple, multi-gaming. Gaming. Voilà. Terminé. Vous voulez l'agrandir, le déplacer, voilà, un petit type de police, mais je sais pas, moi celle que j'utilise c'est celle-ci, voilà, après, voilà, on s'en fout de la couleur, et c'est tout, après vous pouvez mettre vos musiques perso. Voilà, par exemple, au lieu qu'il y ait la musique qu'il y avait, par exemple, je sais pas moi, je vais mettre la musique de ma nouvelle introduction. Alors, c'est ça. Vous prenez à partir de l'endroit où vous voulez. Attends. Ah non, pardon, je me suis trompée. Celle-là, c'est celle que j'hésitais entre deux. Et celle que je voulais. Enfin, celle que j'ai mis comme intro, celle-là. Voilà, à partir de 15, je crois. Voilà, je mets du début. Voilà, ça prend très très bien. Bon, après, j'ai fait n'importe quoi, c'était juste pour la vidéo. Voilà, après, vous faites aller. Vous choisissez le format que vous voulez. Et après, vous faites exporter. Bon, je ne vais pas l'exporter parce qu'elle est pourrie, celle que j'ai fait. Voilà, une fois que vous avez fait ça. Vous allez dans CutCut Pro et ben en fait moi quand je fais mes montages pour marquer des trucs à l'écran, mettre des voix par exemple, je sais pas si vous avez vu mon autre vidéo, j'ai mis plusieurs voix. Après vous pouvez faire plein de trucs. Non, on va faire un nouveau. Regardez. Là par exemple j'ai mis mon intro après ma vidéo. Et après, j'ai écrit des trucs. Attendez. Ou au pire, on s'en fiche, je vais vous en faire une devant vous. Test, je vais l'appeler. Test. Créer. Voilà, vous choisissez. Bon, vous laissez. Moi, je laisse tout comme c'est. Voilà, après, vous faites plus. Vidéo, photo, texte, comme vous voulez. Moi, je vais prendre vidéo. Après, vous allez dans pellicule. Prenez une de vos vidéos,
Regardez, ça a l'air. Par exemple, ça c'est mon intro. Ma nouvelle intro. Enfin, en fait, j'ai juste changé la chanson. C'était... Je la trouve assez bien. Voilà. Après, une fois que vous avez mis votre intro, vous faites vidéo, pellicule, vous choisissez votre vidéo. Par exemple, je vais faire n'importe quoi, je vais prendre elle. Tac, je la mets ici. Voilà, à la suite. Et voilà, après vous faites la flèche du haut, là, ici. Voilà, là, là. Et vous faites exporter à l'album. Et après, vous mettez haute qualité. Bon, moi, je vais pas le faire. Voilà. Attendez, je vais juste supprimer maintenant parce que ça prend de la place pour rien. Ok. Alors, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire tous les je vous fasse d'autres vidéos tuto. Même si c'est un peu le but de ma chaîne. Bref, allez, ciao tout le monde. Bye.